Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rhyme en compagnie de nos deux potes, la boule bipède et le petit renard qui est juste derrière. A priori, ils se connaissent, hein. Non mais je peux pas juste les suivre sans rien regarder autour. Je vais jeter un petit œil voir s'il y a quelque chose. Oh là, on voit pas grand chose. Ok, on voit pas grand chose parce qu'il y a pas grand chose. J'espère que je peux remonter. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, une grande porte, a priori il y en a une autre là-bas. On va pas s'éterniser ici, je pense pas que ça nous serve beaucoup. Juste là, je vais vérifier s'il n'y a pas quelque chose. Là, c'est d'où on vient. Ils sont partis, ils m'ont pas du tout attendu. Ok, là, il n'y a rien. J'aime pas trop cette musique. Là, on a rien, ok. Ah, mais je reconnais ici. Ok, il est là-bas. Bah, je vais y aller alors. Non, attends, il y a un truc là. Ah non, je suis descendue. Comment je fais pour remonter? Là-bas, l'escalier. Je pourrais remonter par l'escalier. Ici, il y a un autre truc. Ah non, mais ça, c'est un cadavre. Si je le touche, il va se transformer en truc qui va m'attaquer. Non, non, non. Je teste hein, quand même. Ah non, il s'est juste transformé en poussière. Ok. C'est moins pire que ce que je pensais. Alors, je remonte vite fait. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps. J'ai juste repéré un truc et j'aimerais le récupérer avant de complètement passer à côté. C'est là-bas. Comment je fais? Là, ok. Faut monter ici. Oui, mais j'ai compris. Petit Schnarek. Je serais partie tout seule sur mon bateau? C'est étonnant. Bon, il y a peu de chances qu'il y ait deux secrets côte à côte, mais dans le doute, on fait quand même un petit tour. A priori, si j'utilise une boule
celle qu'il y a sur les poissons là. À côté de lui, ça devrait être plutôt pas mal. Ouais, ouais, vous voulez ma mort. Mais moi, je veux pas mourir. Tiens, mon coco. Tu les as tous tués. Attends, attends, je vais chercher le secret. J'espère qu'ils vont pas revenir. Hop là. Je m'en vais au cas où. Qu'est-ce que ça rame? Waouh. Ouais, alors là c'est un peu compliqué. On peut pas monter avec ces boules, mais on peut descendre. Enfin, a priori. On va essayer. Oui, voilà, il suffit de descendre tranquillou. L'efficacité de ce petit gars. Eh, hey, il y a un truc là-haut. J'ai pas l'impression que je puisse y aller. Je vais tester quand même. Non. Je vois pas bien comment je pourrais monter là-haut. Rien du tout là. Non mais ça a l'air d'être un mur absolument pas escaladable. Oui, oui bien sûr. J'ai plus le boule, faut que je remonte jusque là-bas. Ah non, il y en a une ici. Qui se coupe. Attends, attends, j'arrive. Je sais pas si elle sera utile cette boule, mais je préfère l'avoir sur moi que refaire tout le chemin dans l'autre sens juste après. Ils reviennent pas, hein. C'est comme si on les avait tués. C'est pas juste quand moi je les fais disparaître, là ils sont vraiment partis. Il y a des nids partout avec des œufs. Ah, je peux pas. Bon. C'est un genre de robot, mais il a des sentiments, a priori. Hé, hey, attends-moi! Elle est courte, toi!
Tu t'en vas? Tu retournes dans... Tu vas dormir? Ah oui. Pourquoi je m'embête à essayer de l'aider? Il s'en sort très bien tout seul. Oh, merci. Alors, comment je monte, moi? C'est gentil, Coco, mais là, concrètement, tu m'aides pas beaucoup. Déjà, ce qu'on va faire... Tiens, il y a le petit Schnerek qui est pas loin. Schnarek. Je vais t'emmener ici. Tu peux venir ici, s'il te plaît? Oui, voilà, allez, viens. Ah ouais, c'était juste histoire de... Oh, bah c'est cool. J'avais pas anticipé ça. D'accord. Je suppose qu'il faut mettre une boule et qu'il faut faire en sorte que la boule soit alignée, mais j'ai pas de boule là tout de suite. Est-ce qu'il y en a une là-bas? À tout hasard. Oh là là. Ce skill. Non, mais qu'est-ce que tu fiches? Oh là là. Vous avez le vertige? Bienvenue. Alors, hop. Moi, j'ai pas le vertige et j'ai peur avec ces sauts. C'est terrible. La caméra y est peut-être pour quelque chose. Bon. Oh. C'est tout? C'est pas normal, ça. Ah oui, non mais je suis... J'ai pas trop réfléchi là.
Voilà, il faudrait que tu viennes là. Enfin, je pense. Ah oui. Mais alors, si t'es là, faudrait que j'ai une boule en haut, moi. Hop, tu veux bien rester là, à côté de la boule? Non, parce que quand je vais prendre l'autre, il va s'en aller. Bah oui. Et si je fais ça? Généralement, quand je fais ça, tu ne bouges plus. Eh ben non, pas du tout. Ok, voyons voir la suite. Oh, allez. Là, on a un super gros escalier. Là, rien. Ok, donc il faut qu'on arrive à mettre une boule là-haut. Pour ça, il faut qu'on ait une boule. Et que... Bah écoute. On va faire ça comme ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est bon. Voilà, on récupère ça. On va le mettre là-haut. Non, ça va, il bouge pas. Oh, c'est pas... Non, je voulais juste la poser. Et après tout ce temps, j'arrive toujours pas à différencier la touche action et la touche... l'autre touche action. En gros, il y a la touche E, il y a le clic gauche et j'arrive encore à confondre les deux. C'est terrible. Non, 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 reste là. T'en fais pas, je fais que monter. Voilà, là on est bien. Ok. Je vais essayer un truc quand même. Qu'est-ce qu'il est rapide? Oh là là, mais genre. Je veux voir où est-ce que ça me mène si je grimpe comme ça. Cette rapidité d'exécution qu'il a. Ok. Aha! Non, 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 je vais y aller. Laisse-moi y aller. Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'il bouge. Faut qu'il bouge. Faut que je trouve une boule. Ah ouais, mais là, je peux pas. Franchement, il peut passer là. Il se fiche de moi. Bon. Ah bah voilà, là il passe. Sauf que là on s'en fiche parce qu'il n'y a rien. Donc il faudrait que j'arrive à avoir une boule ici, mais comment faire? Bon. On va avancer un peu dans l'histoire, on va voir si, bah, s'il y a des boules qui peuvent me permettre d'avancer. Allez! Ok, ça c'est bon.
comme un portail de téléportation. Non, je sais ce que je vais faire. On récupère ça. Toi, mon petit pote, tu viens avec moi. Allez, viens là. Viens. Oh, j'espère que je peux passer. Je peux pas passer. Ah, si, je peux passer. Allez, viens. Ok, si je me mets ici. Ça a rien fait du tout, il a même pas bougé le celui d'en haut. Ça, c'est du réveil efficace. Je suis super curieuse de voir où ils vont, mais il faut que j'aille récupérer mon petit item. Oh, il y en a même qui vont sur le côté. Non ! Ok, c'est pas grave. Il le vit bien. Mais moi, je peux pas escalader vos trucs, là. Y a pas de petite... Je sais pas. Y a pas de bave blanche... sur le côté qui me permet de me gripper, alors forcément c'est compliqué. Hop là. Et voilà. Troisième coquillage. Emmène-moi avec toi. Oh là là, moi je peux pas escalader. Mais pourquoi? On dirait que quand ils montent là, ils arrivent de l'autre côté et qu'ils avancent en boucle. Un peu comme moi qui suis montée tout en haut pour atterrir tout en bas. Cela, ça les a pas réveillés. En même temps, réveiller celui-là là, par exemple, ça aurait pas pu être bien simple. Mais lui, ça aurait pu. Ou lui, là, qui clignote. Et B. Ça en fait du monde. Mais vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode, parce qu'on est déjà aux 25 minutes de fin d'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien aimé, il y a eu un peu d'énigmes. Et j'ai pas été frustrée de pas avoir pu récupérer mon item, puisque là, j'en ai récupéré deux. Deux, je crois. Au moins deux. Du coup, ça, c'est super cool. Si, deux plus un souvenir. Donc, très bon épisode au niveau des bonus.
Bref, j'espère que vous avez apprécié. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!